Bonjour, c'est Carapahu, bienvenue sur World of Warship et je vous propose un petit tour sur le Fujin. Aujourd'hui, je vous propose une petite sortie avec le Fujin, un destroyer japonais de niveau 5. Rapide et maniable, ce destroyer est équipé de 6 tubes lance-torpilles. Le croiseur allemand Karlsruhe, un croiseur de niveau 5 ayant été détruit, je vais tenter de détruire le cuirassé New York, un cuirassé américain de niveau 5. Les torpilles ayant une portée de 7 km, j'essaye de m'approcher le plus près possible de ma cible, en faisant attention car je sais qu'il y a un destroyer sur le côté droit. C'est parti. Je largue les premières salves de torpilles. Et on va voir ce que ça donne. Bingo! Bon, je pensais couler le New York, mais j'ai en fait coulé le croiseur Omaha qui le suivait. Repartons à la chasse du New York. Le voilà! J'ai retrouvé le cuirassé New York. Lui n'a pas dû m'apercevoir car il échange des tirs avec un vaisseau qui se trouve sur ma gauche. Donc on va tenter de s'approcher au plus près pour tenter une deuxième attaque aux torpilles. Je vais avancer sous une couverture fumigène, ce qui va me permettre de me cacher dans un brouillard et m'approcher encore un peu plus de mon objectif. Les 6 torpilles sont parties, en espérant qu'elles atteignent leur cible. Bon, il a pris une torpille de face, ce qui a minimisé les dégâts, mais créé une légère voie d'eau.
On va continuer la chasse en évitant surtout de prendre des obus. Car vu la taille du bateau, je vous explique pas les obus qu'il envoie. Si j'en prends en pleine carlingue, je vais y passer. Ouch! Alors ça pique. Donc je vais tenter d'aller mettre à couvert derrière à l'île. Car là, je risque d'y passer vraiment. Je vais donc lancer deux salves de torpilles juste dans le chenal entre les deux îles, car je sais qu'il va passer par là. Oh oui, c'est bon, deux torpilles dans le buffet, plus de système de propulsion. Alors là, c'est le moment de porter le coup fatal à la bête blessée. C'était le risque avec le peu de vie qui me restait, mais les torpilles sont parties, donc on va suivre leur trajectoire. Et voilà, il n'y a pas de raison, lui aussi, il va servir de maison à poissons. Voilà, la partie va se terminer. Elle va se terminer par une défaite. On n'arrivera pas à en remporter le point assez vite. Mais ça aurait été quand même une belle petite partie. Bien sympathique. Avec ce petit destroyer vraiment plaisant à jouer. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut!